L'association Droujba, qui soutient deux familles roms à s'installer à Clisson, organisait une soirée solidarité à Saint-Hilaire-de-Clisson. Au programme, un film débat sur le processus de construction des représentations et des préjugés, suivi d'un repas accompagné d'un concert de jazz manouche. Depuis un an que l'association Droujba soutient deux familles roms à Clisson, nous sommes très contents des avancées que nous avons puisque l'une des deux familles a un logement, ses enfants sont scolarisés, ça se passe bien à l'école. Sur les deux familles, les choses avancent très bien sur l'alphabétisation. Les deux petites filles de la seconde famille vont à la pitchounerie, la garderie locale, et ça se passe très bien avec les autres enfants. Là où les difficultés restent toujours assez grandes, c'est sur le travail, puisqu'ils n'ont pas le droit à des contrats de plus de 3 mois, donc à chaque fois on repart à la chasse au travail. Et il nous reste un gros problème sur les bras, ce pourquoi d'ailleurs on organise la fête de ce soir, c'est le logement de la seconde famille, puisqu'ils ont passé l'hiver dans un gîte dont le loyer était assez élevé. On a eu une subvention de la communauté de communes pour aider un petit peu, mais qui n'a couvert qu'une toute petite partie du loyer. Et puis, ils doivent quitter le gîte dans quelques jours. Et là, on est un petit peu dans l'inconnu. On a des pistes, mais ce sera sur le privé. Et donc, on sait qu'on a des frais devant, puisque le travail intermittent et un petit peu au jour le jour ne permet pas de couvrir ce qu'il faudrait pour une caution, etc., dans le privé. Donc, on en est là, et c'est pour ça qu'on organise la fête de ce soir. Et puis aussi, pour remobiliser un petit peu les troupes, puisqu'on arrive au bout d'un an, donc c'est le moment de renouveler les adhésions, de réexpliquer un petit peu à tous les gens qui nous ont suivis ce qui s'est passé, ce qui s'est fait. Et en espérant trouver une solution définitive pour cette famille qui semble vouloir s'installer à Clisson, puisque depuis un an, on a eu le temps quand même de bâtir des relations de confiance et d'amitié. On sait que jusqu'à 2014, moment où les Roumains auront le droit de travailler comme n'importe quel citoyen européen en France, on risque d'aller comme ça, de contrat en contrat, puisque les employeurs, à moins de payer une forte somme, n'ont pas le droit de leur faire un contrat à durée déterminée. Donc on est tout le temps à la recherche de travail. Donc là en ce moment, ils font le muguet par exemple. Bon, c'est surtout autour des activités agricoles, hein, mais c'est une grosse préoccupation pour nous et quelque chose qui est assez lourd à porter puisqu'on est toujours à la recherche de nouveaux travail pour les familles en question. Donc les revenus sont très aléatoires forcément. Voilà. Thank you.
Thank you.